Oui, c'est Pierre qui nous demande comment savoir si on a attrapé un variant, où sont traités les prélèvements et comment. Alors, des PCR spécifiques capables de repérer les mutations sont en train d'arriver. Mais pour avoir vraiment des réponses complètes, il faut s'adresser à des labos spécialisés. Il y en a une petite cinquantaine ou des Santé publique France qui sont capables de séquencer le virus. Et Margot Trouville et Baptiste Keita ont pu, pour BFM TV, aller tourner au Centre national de référence des virus respiratoires de l'Institut Pasteur. C'est là que le premier SARS-CoV-2, il y a un an déjà, a été identifié, a été séquencé. C'est ce qu'on appelle un labo P2+, donc de haute sécurité. Et c'est là donc que sont séquencés des prélèvements positifs. Le séquençage, ça veut dire en fait sortir en quelque sorte la carte d'identité du virus. Les prélèvements positifs de toute la France sont envoyés là. Alors, il y a des techniciens en combinaison, parce qu'on l'a dit, voilà, c'est hautement sécurisé. En une semaine, la capacité du centre a doublé. On est passé de 500 à 1000 séquençages hebdomadaires. L'objectif, c'est 2000. Vous vous dites peut-être, c'est pas beaucoup. Oui, mais c'est pas un test qui vous dit plus ou moins en quelques secondes, ni même en quelques heures. C'est vraiment une procédure complexe. On met pas juste le prélèvement dans une machine. Il y a une dizaine d'étapes manuelles qui sont nécessaires avant même de commencer le séquençage avec des machines. Au total, il faut 3 à 4 jours, et même plutôt 5 en ce moment pour avoir un résultat, parce que c'est tout un processus. Écoutez. Déjà une première étape de préparation à partir de l'échantillon au Centre national de référence. Et ensuite, une fois que ces premières étapes de préparation, en fait de préparation d'ADN, et cet ADN va donc être séquencé et recoupé en petits morceaux pour faire du séquençage au débit qui va nous permettre d'avoir ce qu'on appelle un whole genome, donc un génome complet du virus, mais pas juste une phrase. C'est-à-dire qu'on va avoir plein de morceaux qui vont nous permettre de déterminer la présence ou non de mutations, mais même de mutations rares, c'est-à-dire que même des mutations qui sont très peu fréquentes dans la population virale, on va les voir lorsqu'on réalise du séquençage à haut débit. Alors une fois que les séquences sont bien nettes, bien propres, un logiciel va les comparer aux bases de référence, c'est comme une grande librairie, et on va mesurer les mutations, et on sait si c'est le variant britannique ou pas, ou un autre. Alors justement, qu'est-ce que ça donne, où est-ce qu'on en est? On voit, on observe évidemment la détection et le séquençage de variants anglais de plus en plus. C'est certain que ça augmente. Ça augmente pas non plus de manière explosive. On en détecte de plus en plus. Que suivant les régions, on en a plus ou moins. Et du variant sud-africain, on en détecte quelques-uns, mais c'est pas du tout. C'est plutôt des retours de l'extérieur, de l'étranger. Voilà, les chiffres consolidés début janvier, c'était 3,3% des cas positifs étaient dus aux variants britanniques. Aujourd'hui, le porte-parole du gouvernement nous dit qu'on est plutôt à 10%, avec de grosses disparités selon les régions. À l'Île-de-France est beaucoup plus touchée. Des chiffres, évidemment, qui vont jouer sur la décision d'Emmanuel Macron de reconfiner ou pas et comment.